Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Vulbizio. Donc, on se retrouve pour une petite vidéo et je sais pas si vous avez remarqué, mais là, eh ben, il y a mon introduction. Donc, eh ben, ça fait 3 jours que je suis dessus parce que j'en ai essayé pas mal et franchement, j'ai passé beaucoup de temps et celle-là, elle me convient très bien. J'ai mis la musique, donc voilà. Et si vous allez sur ma chaîne, vous remarquerez peut-être, eh ben, j'ai fait mon background. Donc bah, j'ai passé l'après-midi là. Ouais, donc j'ai passé l'après-midi tout ça, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà. Voilà, c'était comme ça, je vous dis ça. Donc et bah là, on se retrouve pour un petit tuto. Comment se faire des camas. Donc cette fois-ci, on va parler d'un site internet. D'un site internet, bah d'un site de Dofus. C'est le Croquemaster. Donc c'est ce site-là. Le Crossmos, voilà. Qu'est-ce que je dis? Le Croquemaster, non, c'est pas possible. Donc voilà, donc vous arrivez, c'est là-dessus, donc c'est le site, je mettrai le lien dans la description. C'est un site bah, qu'ils ont inventé Dofus pour pouvoir prévoir les... Pour pouvoir prévoir les ressources qu'il va falloir pour l'almanax. Donc là, moi je pense l'intro. Allez. Voilà, il y a une petite musique. Et voilà. Donc on arrive là. Donc là, vous avez des trucs de Fécos, du Corse, de Calice de Fécos, parce que je me complique, moi. Et donc là, vous voyez, donc là, on est le 7, donc il y a le 7, il y a par exemple le 11, qu'est-ce qu'il va falloir amener? Donc c'est toujours celui-là. Il va falloir amener 4 écailles de crocodile. Voilà. Le 12. 3 raies bleues. Le 14, une aile de dragodinde rouge sauvage. Donc voilà, donc vous voyez tout ça. Voilà. Et maintenant on va aller voir. Voilà, donc il y a deux propositions. Donc, soit vous avez de la chance, vous vous connectez, tout ça, et vous regardez les modes marchands. Oh bah tiens, ils sont... Il y a. Comment dire. Il y a. Ils sont pas tous mis, donc vous êtes quoi vous mettre en mode marchand. Et va bah, vous regardez sur le site de l'Almanax. Donc vous allez à l'HDV et vous achetez les ressources qu'il faut. Donc bah voilà. Et là, donc vous les mettez plus cher, bien sûr, hein, pour faire du bénéf. Et voilà. Donc vous faites du bénéf comme ça. Il y en a qui arrivent à se faire beaucoup beaucoup avec cette technique-là. Donc voilà. Ou autrement, il y a l'autre technique. Bon, ça je l'ai déjà fait. C'est vrai que ça m'a rapporté beaucoup beaucoup. Mais bon, c'est à risque. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc c'était, vous prévoyez, vous voyez que dans 2 jours. Bah, ça sera les coquilles de Fatimouni. Fatimouni, ouais, c'est ça. Donc vous allez à l'âge des ressources. Coquilles de Fatimouni. Je me demande s'il y en a. Je sais pas. Coquilles de Fatimouni. Et voilà, vous voyez, 50 000 camas. Bon, là, je pense que c'est un peu abusé parce que c'était... C'est mince. Ah, je trouve pas mes mots. C'est Ah, punaise, excusez-moi. Ah oui, parce que c'est une ressource de l'almanach, mais par exemple, vous le prévoyez avant, un peu style peut-être une semaine, ça va pas être très cher. Donc ce qui consiste à faire, c'est vous achetez tout l'HDV. Donc au début, il faut une bonne base de Kama. Donc pour ça, je vous conseille de regarder mes petits tutos que j'ai déjà fait.
Donc voilà, bon, on va prendre une autre source. Mais vous regardez mes petits tutos que j'ai fait, comme ça vous faites plein de kamas, vous regardez un peu tout ça. Et vous regardez tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et après vous faites pas mal de kamas, vous économisez. Jusqu'à atteindre, je pense, une base de entre 5 et 10 millions. C'est pas mal, hein. Parce qu'on sait jamais, parce que il peut y en avoir des milliers, on sait pas. On sait pas. On sait pas combien peut y en avoir des trucs. Des ressources à l'HDV, donc. Oh, d'ailleurs, c'est pas cher, je vais peut-être les acheter. Donc, ben voilà, vous savez pas combien peut y en avoir. Donc, et ben. Là, par exemple, comme là, c'est pas cher, il y en a pas beaucoup. Je vous conseille. Vous achetez tout. Bon, après, ça dépend de votre serveur, hein, mais vous regardez un peu à l'avance. Plus vous achetez à l'avance, souvent, moins les ressources, elles ont des prix abusés. Donc, vous achetez tout l'HDV, tout, tout, jusqu'à ce que il n'y ait plus le truc quand vous cherchez, par exemple, si c'est dans les poissons vidés, qu'il n'y ait plus goujon vidé. Donc là, vous le trouvez plus. Et après, vous le remettez. Moi, ce que je faisais, c'est que je le remettais à peu près 10 fois plus cher. Et je vous assure que ça part en un rien de temps. Donc voilà, j'ai coupé un petit moment là parce que. Et mes parents qui me demandaient quelque chose, donc voilà. Donc je sais plus trop où est-ce qu'on était. On parlait de mettre voilà 10 fois plus cher. Vous allez voir, ça paraît avec les ressources de la manap, faut avoir un perso à l'HDV qui fait que d'en rajouter. Hein. Ça part mais à une vitesse. Moi au début, quand j'avais fait cette technique-là, j'avais acheté pour tout l'HDV pour 1 million. Et après je remettais, je remettais, je remettais. À la fin de la journée, j'avais 5 millions. Oui, j'avais commencé, j'avais 1,5 million à peu près. Donc ça fait 3,5 millions de bénéfices en une journée. Donc c'est quand même pas mal, moi je dis, hein. Donc voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà. Bon bah à plus pour une nouvelle vidéo. Hein, et j'espère que ça vous a plu.